Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série par rapport à un personnage qui est en relation avec l'au-delà et avec le côté médium. Aujourd'hui, il s'agit de Victor Hugo. Donc je vous en avais parlé, on le fera en trois parties. Donc on commencera par Victor Hugo de sa naissance jusqu'à son exil. Ça sera donc la première partie que l'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Victor Hugo Parce que Victor Hugo est un homme que j'admire depuis que je suis enfant. Euh, J'ai surtout admiré l'homme, l'écrivain bien sûr, mais ça ce n'est plus contestable, l'écrivain ou le poète, mais euh, vraiment l'homme par rapport à toute la, toutes les facettes que cet homme a pu avoir. Et donc par rapport au côté qui nous concerne, on va voir le côté euh, au-delà et le côté visionnaire qui a été quand même assez impressionnant chez lui. Donc on verra ça au fur et à mesure des différentes, euh, des différentes époques euh, par rapport à lui, par rapport à sa vie. Alors Victor Hugo, il est né le 26 février 1802 à Besançon. Donc euh, il naît dans une famille d'un un père qui s'appelle le général Léopold Hugo. Il est, euh, bah, il est dans l'armée. Euh, de l'Empire, il est donc général d'Empire et sa, sa mère, c'est Sophie Trébuchet. Dans cette famille, il y a déjà deux garçons, un qui s'appelle Eugène et l'autre qui s'appelle Abel. Ils, ont, ils sont tous les deux plus âgés, donc Hugo, un de deux ans et l'autre de quatre ans. Alors, quand, euh, quand Hugo euh, naît, il est au départ d'une santé fragile, mais donc sa mère, Sophie, elle est très très proche de lui. Petit à petit, il grandit et il va être habitué à suivre son père par rapport à toutes les affectations, les affectations pardon, militaires que le père va avoir. Il va vivre pas mal de temps en Espagne, ce qui lui vaudra après de pouvoir écrire des pièces par rapport à l'Espagne. Et il se retrouvera pensionnaire à Madrid et aussi ils s'installeront à Hernani pendant un certain nombre d'années. Le couple Hugo n'est pas exceptionnel. Et très vite, Sophie Trébuchet éprouve le, le besoin de repartir, de laisser son mari dans les divers endroits et pays où il est muté pour son, pour son côté militaire. Et elle, elle va trouver une maison à Paris qui va s'appeler qui s'appelle les Feuillantines, rue des Feuillantines dans le 14e. Et c'est une maison euh, qu'elle va aimer, et Victor Hugo va énormément l'aimer aussi, et y passer beaucoup de temps. Donc, les Feuillantines, c'est un endroit qui va marquer Victor Hugo pendant toute son enfance et son adolescence. D'autant plus que, aux Feuillantines, à côté, il y a des voisins, et ces voisins s'appellent les Fouchets. Et on verra que, euh, bah, chez les Fouchets, il y a une fille qui s'appelle Adèle, et on verra que plus tard, eh bien Victor va euh, demander à épouser Adèle. mais nous n'en sommes pas encore là. Donc les feuillantines, euh, Victor Hugo il fait des séjours et puis il retourne voir son père aussi parce qu'ils ne sont pas complètement séparés de lui. Vers l'âge de 13 ans, en fait, eh bien euh, il va rentrer sur Paris beaucoup plus. Et il va intégrer une pension, la pension Cordier. Pourquoi c'est important cette pension Cordier Parce que, en fait, là, Victor va commencer à écrire et il va surtout euh, commencer à écrire des vers. Il aura un jeune homme qui sera dans cette pension et qui va l'aider à corriger ce qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va lui apprendre les rimes, les mesures pour pouvoir écrire convenablement. Et là, euh, bah, Hugo s'aperçoit que en fait c'est quelque chose qui lui plaît énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que vers 14 ans, après avoir écrit pas mal de poèmes, Hugo dira: "Je veux être Chateaubriand ou rien. À 15 ans, eh bien à 15 ans, il va participer à un concours de poésie qui va être organisé par l'Académie française. Alors il ne va pas remporter de prix, mais il est remarqué. Il est remarqué par le talent qu'il a et par le jeune âge, surtout le talent par rapport au jeune âge. Donc, euh, il, ça l'encourage pour continuer et pour pouvoir euh, euh, écrire toujours davantage. À 17 ans, il va fonder avec ses frères une revue qui va s'appeler le, le Conservateur Littéraire. C'est une revue ultra-royaliste. Et, et Hugo le fait un petit peu par rapport à son père, en fait, pour aller un petit peu contre les idées de son père. Donc, il va fonder ce, cette revue, et là, il va commencer vraiment à se faire remarquer, à faire, à faire remarquer son talent, euh, parce que euh, c'est surtout lui, c'est plus lui que ses frères, euh, qui écrit dans cette revue. Et donc, là, bien euh, à 17 ans, il a déjà quand même euh, une avance par rapport à l'écriture qui est assez impressionnante. Alors Hugo bah, continue toujours dans, dans sa lancée, mais ce n'est qu'en 1921 qu'il va publier Aude et Aude va lui permettre en fait de, de, de se faire remarquer. Et pourquoi Parce que ce premier ouvrage qu'il écrit va être publié à 1500 exemplaires. Or, en l'espace de, de quelques semaines, tous les exemplaires vont être vendus. Et Louis XVIII en aura un exemplaire. Et devant euh, le, la précocité et le, le, le côté euh, de l'écriture qui est exceptionnel, Louis XVIII décide d'allouer une pension annuelle de 1000 euros à Victor, ce qui va permettre euh, dorénavant à Victor Hugo de vivre de son œuvre. Euh, 1000 euros à l'époque annuelle, c'était énorme. Donc il commence, il a donc en 1921 donc il n'a que 19 ans et il commence par rapport à cette pension qui lui est versée à se dire je n'ai pas besoin de travailler autrement je peux vivre de mon écriture. Alors bien sûr quand il touche cette pension annuelle en dehors du fait qu'il va pouvoir vivre de cela il est devenu entre-temps très amoureux de Adèle. Très amoureux d'Adèle Fouché. simplement Sophie, sa mère Sophie Trébuchet elle voit pas du tout ça d'un bon oeil. Pourquoi Parce que elle a des ambitions extrêmement importantes pour son fils. Et donc pour elle, elle considère que Adèle n'est pas assez bien et qu'elle souhaite qu'il ait un mariage beaucoup plus prestigieux, donc elle n'est pas d'accord. Alors Hugo ne dit rien et attend. Sauf que en 1921, eh bien Adèle pas Adèle pardon Sophie Sophie Trébuchet, décède. Elle décède en juin 1821. Alors bien sûr, pour Hugo, c'est épouvantable parce que ça a été une mère qui a été très aimante et très proche de lui. Mais en même temps, très vite, il réagit en se disant « Eh bien maintenant, je vais pouvoir épouser Adèle. » Et donc, en octobre de la même année, il va épouser Adèle Fouchet. Et ils vont se marier à l'église Saint-Sulpice à Paris. Donc voilà Adèle qui va naître, alors, qui va, qui va se, se marier, je veux dire, et donc c'est même, même pas en 21, d'ailleurs, ça sera en 22 qu'ils vont se marier, en, en, en 1822. Ils se marient à l'église Saint-Sulpice et très vite, ils vont avoir des enfants. Adèle et Victor vont avoir cinq enfants. Le premier S'appellera Léopold. Léopold, il va naître en 1823. Il va vivre que quelques mois, trois à 4 mois, pas plus, et euh, il va s'en aller de l'autre côté, et va suivre en 1824, va naître Léopoldine. On verra que Léopoldine, sa fille, c'est elle qui va déclencher euh, chez Victor Hugo le besoin d'être en contact avec l'au-delà. C'est par le départ de Léopoldine, puisqu'on va voir plus tard, je vais vous en parler plus tard, elle va, elle va mourir à 19 ans. Et en fait, c'est son départ qui va tout déclencher chez Victor Hugo, c'est-à-dire que d'un seul coup, il va prendre conscience de cet au-delà, et il va beaucoup en parler dans ses écrits d'ailleurs. Alors, donc, elle, elle naît en 1824. En 1826, c'est euh, Charles qui va naître. Donc Charles Hugo va naître, et puis en 1828, François Victor, et en 1830, Adèle. Alors, la différence entre euh, les, les cinq enfants, enfin on dira plutôt les quatre, puisqu'il y en a un qui n'a pratiquement pas vécu, eh bien, euh, Léopoldine, elle n'a pas le temps de se, vraiment de, de, de se mettre en plein dans sa vie, puisqu'elle va, elle va mourir à 19 ans. François Victor et Charles, eux, vont travailler avec le père, puisqu'à un moment donné, ils vont fonder un journal avec leur père, et eux-mêmes, de leur côté, vont écrire. Donc, eux, ils vont avoir un intérêt dans leur vie. Ils vont être connus, euh, pas autant que le père, bien sûr, mais quand même, ils vont être connus. Donc, leur vie à eux ne sera pas trop compliquée. Par contre, Adèle, la petite dernière, donc qui naît en 1830, pour elle, ça va être extrêmement dur. D'abord parce qu'elle va très, très mal vivre la mort de sa sœur. Très mal, et elle est euh, d'une d'un côté psychique très fragile, comme était un de ses oncles d'ailleurs, hein, un des frères de Victor. Et donc euh, cette, ce, cette fragilité psychique ne va pas s'arranger avec le départ de sa sœur. Et puis, on peut aussi comprendre, parce que vivre à l'ombre d'un géant comme le père, c'est quand même pas simple. Pouvoir mener sa vie alors qu'on a un génie. Euh, en tant que père, eh bien, elle, elle a beaucoup de mal. Et puis, il faut dire que Victor l'aime comme ses autres enfants. Mais Victor Hugo, euh, il a tellement à faire entre les livres qu'il écrit, euh, les, enfin les, les livres, les pièces de théâtre. Euh, il a les combats politiques très tôt. Et puis toutes les femmes, ça on va voir aussi, toutes les femmes qu'il a dans sa vie. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup de temps à consacrer à Adèle. Et on verra que. Euh, et eh bien en plus, Adèle, quand elle va se retrouver en exil avec son père, elle va tomber amoureuse, follement amoureuse d'un officier anglais qui n'en a strictement rien à faire d'elle. Et elle va s'acharner, elle va vouloir absolument conv se convaincre qu'il est amoureux, à tel point qu'elle va en perdre la raison. Adèle, euh, ça sera celle qui va vivre le plus longtemps, en fait puisque Alda elle, elle va mourir dans un, elle sera enfermée dans un hôpital psychiatrique et elle mourra à Saint-Mandé dans les années 1920. Donc c'est elle qui va qui vit le plus longtemps en fait, qui vit assez âgée. Alors on va revenir en 1823. En 1823, Hugo, il va écrire Hans d'Islande. Et en fait, grâce à ce recueil qu'il écrit il va là cette fois toucher une nouvelle pension qui ne sera plus de 1000 euros, mais il est 2000 euros annuels. Donc là, vraiment, Hugo commence à être remarqué, à être connu. Et euh, en 1827, il va écrire une pièce qui aura euh, beaucoup de succès, qui s'appellera Cromwell. La même année, il va sortir un recueil, aux des ballades. Et en fait, là, il y a un critique littéraire qui va faire des éloges absolument extraordinaires sur Eau des Balades. Et euh, eh bien cet homme, ce critique littéraire, c'est Sainte-Beuve. Alors, les deux hommes vont, vont se rencontrer parce que Victor Hugo euh, a connaissance de ces éloges qu'il fait sur Eau des Balades et il tient à le rencontrer. Donc, il va rencontrer l'homme et ils vont devenir très très amis. Le fait qu'ils deviennent amis, euh, il va... Euh, Petit à petit, le, le, faire, le faire venir à la maison et il va vraiment être intégré à la famille Sainte-Beuve, à tel point que, il se passe un jour l'irrémédiable, c'est-à-dire que Sainte-Beuve devient l'amant de Madame Fouché, d'Adèle Fouché, de la femme d'Hugo. Alors bien sûr, quand Hugo s'en rend compte, l'amitié euh, là n'est plus, mais cependant, euh, Madame Hugo, Adèle et Sainte-Beuve resteront amants et maîtresses pendant au moins six ans. Là, nous étions donc dans les années 1828-1929, et puis arrive l'année 1833. Et là, Hugo, il vient d'écrire une pièce qui va être jouée et qui s'appelle Lucrèce Borgia. Alors, eh bien, euh, il a envie d'assister aux répétitions. Donc, comme il vient au théâtre écouter ses répétitions, il voit à peu près tous les acteurs, tous les comédiens qui vont être là pour la pièce. Et il y a une petite comédienne, une jeune comédienne, qui va jouer le rôle de la princesse Negroni. Et cette comédienne n'est autre que Juliette Drouet. Et Juliette Drouet, euh, on va voir, restera euh, sa maîtresse pendant 50 ans. Juliette Drouet, vers 1825, elle a rencontré un homme qui s'appelle James Pradier. Et James Pradier, à l'époque, est extrêmement connu comme sculpteur et peintre. D'ailleurs, on peut toujours voir à Paris, euh, il a une sculpture qui est à l'Assemblée. Et euh, si vous allez à la Concorde, il y a aussi euh, l'emblème de la ville de Strasbourg, qui est en fait le visage de Juliette. Donc, euh, il est. Euh, vraiment euh, dans, très connus à l'époque où elle le rencontre, ils deviennent donc amants et maîtresses, et ils ont une petite fille. Ils ont une petite fille qui s'appelle Claire, qui va vivre, qui va qui va décéder à l'âge de 20 ans. Et cette petite fille, ben, elle restera avec Juliette le jour où elle a assez de... Elle ne veut plus rester avec Pradier, et elle le quitte pour un autre homme, qu'elle quittera de, aussi par rapport à Victor Hugo. Parce que quand elle rencontre Victor Hugo, elle tombe amoureuse folle de lui. Et Victor Hugo pareil. Et d'ailleurs, euh, ils se connaissent donc en, au début de l'année 1833 et ils ont leur première nuit d'amour en février, le 18 février 1833. Et Victor Hugo dira, je suis né à la vie en 1802 et je suis né à l'amour en 1833 quand il a connu Adèle, euh, Juliette. pardon. Juliette euh, et Victor, donc ces 50 ans d'amour, ces 20 000 lettres, plus de 20 000 lettres qui se sont écrites, et ils sont toujours restés liés, même si Victor a eu plein d'autres histoires et a eu plein de relations. Euh, en fait, on n'arrive même plus à répertorier toutes les femmes qui ont été dans la vie de Victor Hugo, parce que toutes les servantes, euh, et puis enfin, quantité de femmes, mais... Juliette a toujours été présente dans sa vie. Par contre, par contre Victor Hugo n'a jamais quitté sa femme Adèle. C'est-à-dire que pour lui, sa femme, sa famille était sacrée et les deux femmes devaient s'accommoder de cela. Alors, Juliette savait très bien, bien sûr, qu'il y avait Adèle et Adèle, très peu de temps après la liaison, l'a appris aussi et donc était obligée de s'en accommoder. Donc sa relation avec Juliette est eh bien continue euh, euh, bah, toutes les années et pendant les 50 années. Et puis, en 1843, là, sa vie va être bouleversée. La vie de Victor Hugo va totalement changer. Qu'est-ce qui se passe en 1843 Peu de quelques mois auparavant, en fait, sa fille, Léopoldine, va rencontrer Charles Vacry. Et en fait, elle va, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre énormément et perdument. Simplement, Victor Hugo est un homme excessivement possessif. On, le, on peut le voir déjà avec Juliette, puisqu'à partir du moment où Juliette a fait partie de sa vie, il lui a interdit de continuer le théâtre, il lui a interdit de sortir de chez elle et il surveille tout son courrier. Tellement il a peur que Juliette, qui est magnifique, qui est une très belle femme, euh, soit, puisse rencontrer un autre homme. Et puis je pense qu'étant donné que Victor Hugo était tellement peu fidèle dans sa vie par rapport aux femmes, bah, il devait être persuadé qu'on euh, pouvait faire pareil que lui, en fait, et pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Donc il va être extrêmement, euh, comment dire, strict avec Juliette et tout surveiller de, de, de ce qu'elle peut faire. Donc avec sa fille, c'est exactement pareil aussi. Il est un père très possessif. Alors quand euh, Léopoldine lui dit qu'elle aimerait bien se marier, euh, Victor Hugo, il n'a pas trop trop envie que sa fille s'en aille de, du foyer, de la famille. Donc au départ, il lui dit non. Simplement, Léopoldine, elle insiste parce qu'elle aime vraiment euh, Charles, Vacri, et elle veut vraiment finir par épouser cet homme. Et il finit par céder, parce qu'en même temps il ne peut rien refuser à sa fille qu'il appelle sa Didine. Il l'appelle toujours sa Didine. Donc il ne peut rien lui refuser, donc il finit par accepter qu'elle se marie. Et en février 1843, eh bien, elle épouse Charles Vacry et ils vont se marier à l'église Saint-Paul à Paris. Donc euh, là, Victor est toujours. Euh, bah, il accepte sans accepter en fait. Hein. Et euh, sa fille Léopoldine part vivre avec Charles vacri à Vilquier, euh, dans, dans la maison de la famille vacri qui maintenant d'ailleurs est devenue un musée euh, de Victor Hugo. Et si vous avez l'occasion un jour d'aller à Vilquier, sur les bords de Seine, euh, c'est extraordinaire, quoi. c'est près du Havre et c'est fantastique. Ce lieu, il est magique, avec la Seine qui est juste devant la maison, c'est extraordinaire. Donc elle va vivre, Léopoldine. Eh bien, elle va vivre à Villequier avec son mari et dans la famille de son mari. Victor Hugo, lui, continue comme il le fait depuis qu'il a connu Juliette. Il part plusieurs semaines par an en villégiature avec Juliette. Et Adèle, elle, reste avec les enfants à Paris. Donc là, cette année-là, il fait exactement pareil. Il part en villégiature avec, euh, avec Juliette et il part en Espagne pour plusieurs semaines. Entre-temps, début septembre, les, les vaceries, en fait, l'oncle de Charles, doit se rendre chez un notaire à Côtebec, à Côtebec-en-Caux, donc à côté de Villequier. Et euh, il décide de partir à quatre, c'est-à-dire Charles, son oncle, le fils de son oncle et donc Léopoldine. Pour ça, ils partent dans une embarcation, dans un canot pour aller jusque donc jusqu'à côte et euh, ils préfèrent y aller en bateau plutôt que d'y aller en voiture, parce que l'oncle vient de faire construire ce canot. Ils arrivent à côte ils vont chez le notaire, tout se passe bien, et ils repartent. Ce jour-là, c'est un temps très calme, donc euh, le, le canot n'avance pas vite, mais par contre, il n'y a aucun danger. Et quand ils repartent de côte c'est exactement la même chose, sauf qu'à un moment donné... Il y a une mini-tornade, une, une mini-rafale mini de vent qui arrive. Et qu'est-ce que ça fait Ça fait rembarse, remba, euh, renverser l'embarcation. Donc, ils sont tous les quatre dans l'eau. Il y en a deux, donc, déjà qui se noient. Et Charles, le mari de Léopoldine, est un très, très bon nageur. Donc, lui, les gens qui sont sur la berge le voient revenir à la surface de l'eau mais il s'aperçoit que Léopoldine, elle, n'est pas revenue. Donc, il replonge pour aller la chercher. En fait, Léopoldine, elle est accrochée au canot. Donc, il arrive à la prendre dans ses bras et à la remonter à la surface. Et donc, les gens le voient revenir avec Léopoldine dans ses bras. Sauf qu'en revenant à la surface de l'eau, eh bien, il s'aperçoit que Léopoldine, elle est déjà décédée. Elle est déjà morte. Et là, eh bien, euh, il, il lui faut que quelques secondes pour se dire qu'il ne pourra pas vivre sans sa Léopoldine et même en étant bon nageur, il choisit eh bien de repartir avec Léopoldine dans l'eau et de mourir avec elle noyé. C'est à partir de ce moment-là que Victor Hugo va commencer à aimer son gendre parce que il va prendre conscience de l'amour que cet homme avait pour sa fille en fait. Seulement à cette époque-là ce n'est pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Donc, Victor Hugo est en villégiature. Il ne sait pas que sa fille est décédée. Alors, Juliette et Victor, ils sont euh, toujours en villégiature, eux, et, mais ils commencent, comme on est début septembre, ils commencent à rentrer sur, euh, sur Paris. Et donc, ils vont s'arrêter à Rochefort. Et là, euh, à Rochefort, ils rentrent dans le Café de l'Europe pour faire une halte, tous les deux et victor s'installe à une table et sur la table il y a un journal quand il prend le journal en fait pour avoir pour être au courant un petit peu des nouvelles bien en première page qu'est-ce qu'il voit un article où il y a marqué que la famille hugo doit vivre une épreuve épouvantable puisque euh, ils viennent de perdre leur fille léopoldine qui s'est noyée vous imaginez vous imaginez pour victor hugo le drame vous imaginez à quel point il est détruit d'apprendre cette nouvelle et donc euh, eh bien, tout de suite bien sûr il veut rentrer encore plus vite et il envoie euh, il fait envoyer un billet à adèle en lui disant que il reprend la route immédiatement pour être au plus près euh, au plus vite surtout près d'elle et de ses enfants pour traverser ce drame mais bien sûr, le temps qu'ils arrivent, bah on n'en est pas à l'époque où il y a un train à grande vitesse, hein, donc le temps qu'ils arrivent, Léo, euh, Léopoldine et Charles sont déjà enterrés. Et là, Victor va rentrer dans une période qui va être très très compliquée, où il va vraiment... Euh, il va se, se renfermer un peu sur lui-même, il, il ne va pas publier pendant quelques mois. Alors il écrira quand même, puisque c'est un des, des, des auteurs qui a le, écrit tous les jours de sa vie, mais il va quand même avoir un, un moment très dur parce qu'il est dévasté par le départ de Léopoldine. Et donc, même par rapport à Juliette, il, va, il ne va plus la voir aussi souvent. En fait, il s'enferme, il, il veut complètement vivre ce deuil. Et il ne trouve plus euh, de, de goût à la vie après ce dé, le départ de sa fille. Pourtant, avant la fin de l'année 1843, eh bien, il va faire une rencontre qui va être déterminante. Il va rencontrer Léonie Donnet. Et Léonie Donnet va l'aider à reprendre goût à la vie après le départ de sa fille. Parce qu'ils vont avoir une, une liaison, euh, il va être amoureux de Léonie Donnet et ça va ça va c'est une liaison qui va durer jusqu'à son exil. Hein. Donc c'est une une histoire d'amour qui est conséquente aussi. Il va de, devenir amoureux d'elle, il va lui écrire une quantité de poèmes absolument superbes. D'ailleurs il y a un livre si ça vous intéresse qui qui est intitulé Les Lettres à Léonie. Et en fait, Léonie Donnet va devenir une femme très importante dans sa vie, sans que Juliette, sans que Juliette oui, je dis bien, le sache. Par contre, Adèle, elle le sait. Mais Juliette n'est pas au courant de cette relation. Et il reprend aussi sa relation avec Juliette. Hein, il continue à voir Juliette. Léonie, Léonie Donnet, elle est, marquée, elle est, elle est mariée avec M. Biard. Et ils ont des enfants. Au départ, Monsieur Biard, il dit rien. Il, est, il finit par être au courant de la relation qu'elle qu a avec Victor Hugo, mais il ne dit rien, Monsieur Biard. Mais deux ans plus tard, en 1845, ben, il commence à en avoir un peu assez. Et pourquoi Parce que Léonie, elle est tellement amoureuse de Victor qu'elle demande une séparation de corps. Et là, Monsieur Biard, il réagit. Et comment il va réagir Il va faire faire un constat d'adultère. Et le constat d'adultère à l'époque est quand même particulièrement euh, compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement Et le constat d'adultère entraîne euh, des condamnations. Hein. Ce n'est pas, pas comme maintenant, en fait. Donc, il fait faire ce constat d'adultère, sauf que, en 1845, Victor Hugo est devenu père de France, c'est-à-dire le plus haut titre dans le Parlement français. Et ça veut dire aussi qu'il est intouchable absolument intouchable. Donc, quand le constat d'adultère est fait par M. Biard, eh bien Victor Hugo lui s'en sort bien puisqu'il est père de France. Par contre, sa femme, enfin la femme de M. de Monsieur Biard, donc Léonie, elle, elle s'en sort beaucoup moins bien puisqu'elle est emprisonnée quelques mois et après elle est envoyée dans un couvent en condamnation. Et c'est là qu'on voit la complicité des, du couple Hugo de Adèle et Victor et en même temps un petit côté de vengeance de, par rapport à, à, à Juliette, parce qu'Adèle, en fait, Adèle, comme ils se sont mariés jeunes avec Victor, elle comprend parfaitement bien que Victor ait besoin d'avoir des maîtresses euh, souvent, et qu'il change souvent de femme dans sa vie. Ça ne la dérange pas. Mais Juliette la dérange, parce qu'elle a très bien compris que Juliette, elle n'arrivera jamais à la déloger de la vie de Victor. Et là, elle se dit... Que Léonie, ça l'arrangeait bien parce que Léonie, quand même, comptait. Donc, c'est Adèle Hugo qui va tout faire pour faire sortir euh, Léonie Donnet du couvent où elle se trouve. Et elle y arrive. Et elle y arrive. Sauf que Léonie et Victor repartent de plus belle dans leur histoire d'amour, jusqu'à jusqu l'exil de, de Victor. Donc, eh bien, euh, la vie continue comme ça, c'est-à-dire que Victor, il a et Adèle, et Juliette, et Léonie, plus toutes celles qui passent de façon très, euh, comment dire, épisodique dans la vie de Victor. En 1848, il va faire un discours sur euh, la liberté de la presse et sur la peine de mort. En fait, pourquoi il va se battre, Victor Hugo, pour la contre la peine de mort Pourquoi Parce que, à. 8-9 ans, il s'est trouvé, sa mère l'a emmené, place de grève, assister à la mort d'une femme qui devait être guillotinée. Et en fait, il a vu cette femme, 8-9 ans, c'est jeune, hein, il a vu cette femme qui criait, euh, qui disait que non, il fallait pas, enfin, qui ne voulait pas être guillotinée, et par contre, il a vu la foule qui en fait criait à mort à mort à mort et il a vu la guillotine tomber sur la sur le cou de cette femme. Et à partir de ce jour-là, alors qu'il avait 8 9 ans, il a toujours dit qu'il se battrait contre la peine de mort. Donc en 1848, alors qu'il a 46 ans, il fait un discours sur la peine de mort et sur la liberté de la presse. L'année d'après, il est élu député de Paris. Et là, en fait, il va soutenir louis-napoléon bonaparte, qui se présente au présidentiel. donc, il va, euh, voilà, il va le soutenir au présidentiel et, simplement, deux ans plus tard, il va s'opposer à l'empire parce que, par rapport au coup d'État du prince louis-napoléon bonaparte, eh bien, euh, victor hugo va être contre. Et, il va euh, l'écrire il va le dire parce que à l'époque à l'époque il a créé un journal et il a créé un journal euh, où il va parler en fait des réformes du nouveau régime contre lesquelles il est contre donc il va euh, faire partie des émeutes, des barricades qu'il y a à l'école, qu'on retrouve d'ailleurs, ces barricades et ces émeutes, qu'on va retrouver dans Les Misérables. Vous savez que dans le, Les Misérables, il y a énormément de choses de la vie de Victor, puisque euh, par exemple, le, Cosette, euh, la première nuit d'amour entre Marius et Cosette, il choisit la date du 18 février 1833. Donc il reprend beaucoup de choses de sa vie dans Les Misérables. Mais à l'époque, Les Misérables ne sont pas encore écrits. Et en fait, eh bien, il va faire ce journal et donc il va écrire contre le prince Louis-Napoléon Bonaparte en sachant parfaitement bien qu'à un moment donné, euh, bah Louis-Napoléon Bonaparte ne va pas apprécier du tout et qu'il va y avoir des conséquences. Et Victor Hugo le sait parfaitement bien, mais ça ne l'empêche pas d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut dire sur lui. Donc, ils sont tous les trois, lui et ses deux fils, à la tête de ce journal, l'événement qu'ils ont créé, ce qui permet de, de dire tout ce qu'ils pensent par rapport à Louis-Napoléon Bonaparte. Et là, euh, il prend conscience en décembre 1851. Il va prendre conscience qu'il va falloir qu'il s'exile, parce que dans peu de temps, il va être proscrit. Il le sait, il le sent. Il a commencé à écrire Les Misères. Et c'est un, un ouvrage qui lui tient à cœur, ces misères. Et il se dit que si, il part en, euh, si jamais il reste là, qu'il va être arrêté. Et s'il est arrêté, on va lui prendre ses ouvrages, on va, on va confisquer ses ouvrages. Donc ça, il ne le veut pas. Donc il les met dans une malle. Il les met tous dans une malle. Et puis il se dit que s'il part en exil, mais qu'il emmène avec lui la malle, et si jamais il se fait arrêter, ben là, ça sera pareil. Les manuscrits Vont être euh, confisqués. Alors, eh bien, il va faire appel à qui Toujours à celle qu'il l'aime plus que tout, à Juliette Drouet. Donc Juliette Drouet, euh, bah, bien sûr, elle dit tout de suite oui, elle va l'aider. À l'époque, Juliette, elle a des amis, euh, la famille Lenvin. Et en fait, euh, Monsieur Lenvin, il est typographe et il accepte, en fait, de passer son passeport. À Victor pour que Victor parte de France sous une fausse identité. En même temps, Victor, il amène la malle chez les Lanvin et donc ils sont chargés, Juliette est chargée de garder cette malle le temps que Victor puisse partir. Et Victor, il choisit de partir en Belgique. Donc en décembre 1851, Victor part gare du Nord, prend le train de nuit avec le passeport de M. Lanvin. En ayant quand même peur de se faire arrêter, il part et il arrive à Bruxelles le lendemain. Donc, et là, eh bien, en arrivant à, à, en Belgique, il va commencer par chercher un endroit où vivre. Et donc, il va avoir plusieurs adresses, mais il va surtout vivre sur la Grand Place à Bruxelles. Et bien sûr, eh bien, là, euh, Adèle va pas pouvoir le rejoindre. Pourquoi Parce que, en fait, euh, comme Victor est parti, entre-temps, Louis-Napoléon Bonaparte, il a arrêté les deux fils de Victor. Les deux fils ont été emprisonnés. Sauf que Louis-Napoléon Bonaparte, les fils de Victor Hugo ne pas, lui il veut le père. Euh, mais Victor est introuvable. Donc Adèle a dit à Victor, « Moi, je ne viens pas en Belgique parce que je veux libérer nos fils et rester avec eux. » Donc Victor sait que Adèle ne viendra pas euh, pendant son exil en Belgique, mais par contre, Léonie, donnait veut rejoindre Victor. Et là, euh, comme elle a des contacts avec Adèle, eh bien de nouveau, il y a la complicité du couple Hugo qui va se mettre en place, parce que bah, Hugo, il se dit, est-ce que c'est Léonie qui vient ou Juliette bah, Il préfère que ce soit Juliette qui vienne, puisqu'elle a la malle avec tous les manuscrits. Donc, il préfère que ce soit elle qui arrive plutôt que Léonie. Donc il demande à Adèle de convaincre Léonie de ne pas venir le rejoindre à Bruxelles et Adèle est suffisamment convaincante comme ça, donc Léonie ne vient pas et c'est la fin de la relation entre les deux d'ailleurs entre Victor et Léonie. Ils s'écriront mais ils ne se verront plus. Donc de là, eh bien, il demande à Juliette de bien vouloir euh, le joindre, enfin le rejoindre avec la malle et là, on voit que ces deux femmes, que ce soit Léonie ou Juliette, eh bien Léonie, quand elle a su que Victor était parti à Bruxelles, elle se dit, Ah, ben là, Adèle ne vient pas, donc j'ai toutes les chances, si je vais le retrouver, de vivre avec lui. Donc là, ben Adèle le convainc... arrive à la convaincre de ne pas venir, et Juliette se dit la même chose. Elle arrive à Bruxelles avec la malle, avec tous les ouvrages, dont les misères, qu'il a commencé qui ne seront publiés qu'en 1862, mais qu'il a déjà bien commencé, « Les misères qui deviendront les misérables hein. ». Euh, mais à l'époque, il, il a appelé « Les misères ». Elle arrive avec la malle et elle se dit là, ben, « Je suis toute seule avec lui ». Donc il n'y a au plus aucune raison, depuis déjà, ça fait quand même déjà presque 20 ans qu'ils sont ensemble, 20 ans même, puisque là on est pratiquement en janvier 1853, et elle se dit depuis 20 ans que je suis avec lui, ben, comme Adèle n'est pas là, on va vivre ensemble. Sauf que pour Victor Hugo, c'est hors de question. Pourquoi c'est hors de question Parce que en fait, en Belgique, il est déjà très connu aussi, et pour lui, il ne veut pas que l'on dise que lui, étant marié, vit avec Juliette. Donc, comme il ne veut surtout pas arrêter son mariage, eh bien, il va trouver un logement à Juliette un peu plus loin. Comme ça, il peut aller la voir tous les jours, mais chez lui, il vit seul, et il y a son fils, un de ses fils qui vient le rejoindre. Et comme ça, euh, on ne parle pas de Juliette dans la vie de Victor Hugo de tous les jours. Donc, en janvier 1853, euh, bah, Louis-Napoléon Bonaparte le déclare proscrit, avec pas mal d'autres d'ailleurs. Et euh, les autres pourront réintégrer, reviendront en France euh, relativement... Euh, peu de temps après, et c'est là où Victor Hugo dira sa phrase célèbre c'est que s'il n'en restera qu'un, il sera celui-là. Donc ça sera le dernier qui rentrera d'exil, en fait, de tous les proscrits. Alors Victor Hugo, ben, il s'habitue à la Belgique, il est bien, il continue à écrire, mais il est toujours en colère après Napoléon-Louis Bonaparte. Et comme il a beaucoup aimé Napoléon Ier, le prince, donc, napoléon ier qu'il considérait comme napoléon le grand qu'il appelait napoléon le, le grand eh bien il va écrire un livre sur le prince louis-napoléon bonaparte qu'il va appeler napoléon le petit pour en parlant de tout ce qu'il a de tout ce qu'il trouve sur napoléon qui ne va pas sur napoléon euh, enfin le prince louis-napoléon bonaparte alors euh, ça se sait en belgique qu'il est en train d'écrire un, un livre sur napoléon le petit et on sait très bien que c'est par rapport au prince Louis-Napoléon Bonaparte. Alors les Belges, le gouvernement de Belgique, euh, il, il convoque, il le contacte, il contacte Hugo en lui disant Monsieur Hugo, on vous aime beaucoup, mais on ne veut pas se fâcher avec la France. Donc s'il vous plaît, quand vous publierez Napoléon le Petit, est-ce que vous pouvez faire en sorte de ne pas le publier euh, avec des éditions belges et de ne plus être sur le territoire belge quand ça sortira et là, Victor, il le comprend très bien. Et il leur promet qu'effectivement, il partira avant que le livre sorte. Ce qu'il fait. Donc, Victor, il va partir de Belgique pour aller à Londres. Et il va prendre des éditions anglaises. Et donc, quand Napoléon le Petit va sortir, ça sera avec des éditions anglaises et lui sera à Londres. De Londres, il va rejoindre les îles anglo-normandes pour son exil, et il va choisir Jersey. Il va donc s'installer à Jersey, et il a déjà demandé à Adèle qu'elle arrive, qu'elle vende tous les biens, qu'elle vende tous leurs biens, parce qu'il a très très bien compris qu'avec ce qu'il vient de faire, avec ce qu'il vient de publier, il n'est pas prêt de rentrer, en fait. Donc, il est hors de question pour lui qu'il soit en exil sans toute sa famille. Donc, il demande à Adèle de vendre tous les biens, et... De, de, de venir à Jersey, de, tr de trouver la maison à Jersey pour qu'il s'installe. Ce que fait Adèle, elle vend tous les biens et elle arrive à Jersey avec sa famille. Et d'un autre côté, Hugo cherche une maison pour que Juliette puisse être à côté de lui aussi. Donc comme ça, il a tout son monde de reconstituer, hein, à part Léonie, mais euh, Juliette, Adèle et les enfants sont tous là à Jersey. Et il va reprendre sa vie. En fait, toute, toute sa vie, pendant les 50 ans de relation avec Juliette, il s'arrangera toujours, parce que même en, en prenant un peu de l'âge, il reste toujours autant possessif et jaloux. Il s'arrangera toujours pour que Juliette ait une maison pas tellement loin où il peut, de sa maison à lui, voir ce qu'elle fait. Donc elle est toujours tout à côté et donc. Euh, en fait, bah Adèle, elle le sait très bien. Hein, et elle a très bien compris que là, elle pouvait rien faire et que Juliette serait tout le temps, tout le temps. Elle ne se voit pas, mais elle finit par accepter parce qu'elle ne peut, peut rien faire d'autre. Hein. Donc, il s'installe à Marine Terrace. Ils trouvent cette maison, Marine Terrace. Et là, eh bien, euh, ils vont s'installer et ils vont y rester trois ans. Et c'est là que sa vie va vraiment changer. C'est là que, le, justement, le, le côté de Victor Hugo médium, euh, parce que pour moi je suis persuadée qu'il était médium, hein, et euh, que, que, que d'un seul coup sa vie ça va, va se transformer. Pourquoi Parce qu'il a des amis qui viennent le voir à Jersey. Il a des amis qui viennent le voir, et dans ses amis, il y a un couple qui s'appelle les deux Girardin. Et en fait, Madame de Girardin est passionnée par l'étape tournante. C'est la grande mode à Paris. Et en fait, euh, eh bien, elle arrive en parlant des tables tournantes à Victor Hugo. Victor Hugo, il est pas du tout, euh, il ne croit pas du tout à ça. Et il se dit, euh, oui, non, pour lui, c'est une mode, c'est parce qu'elle est parisienne que ça fait bien de s'intéresser aux tables tournantes, mais on en reste là. Et euh, en fait, euh, comment dire, Juliette, elle n'y croit pas du tout non plus. Mais alors, pas du tout, du tout. Mais par contre, Adèle est intéressée. Et elle finit par convaincre Victor de faire des séances de table tournante. Et il euh, y a son fils aussi, euh, Charles, qui va être là et qui va faire. Leur... Enfin, les enfants sont là et vont assister à ces, à ces tables tournantes. Et eh bien, qu'est-ce qui se passera euh, cette année-là Qu'est-ce qui va se passer à Marine Terrace à Jersey Victor Hugo va avoir pour la première fois un message de sa fille qui dira ⁇ Fille morte ⁇ et il reconnaîtra Léopoldine. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que la prochaine fois, on va vraiment beaucoup parler de tous les messages que Victor a reçus à Jersey concernant sa fille, mais aussi toutes les autres tous les autres êtres, toutes les autres âmes qui sont venues et qui ont vraiment donné des messages très, très importants. Et on consacrera la deuxième partie sur Victor Hugo aux tables tournantes à Jersey, parce que c'est vraiment euh, un passage de sa vie capitale qui va tout transformer chez Hugo. J'espère que ce, la première partie de vous a plu, j'espère que je vais vous donner l'amour de cet homme qui, a, qui est tellement multiple. Dans tout ce qu'il a fait dans sa vie, euh, c'est-à-dire qu'il s'est battu aussi bien pour la peine de mort que pour les ouvriers, que pour les femmes, parce que même s'il n'était pas fidèle, il respectait, il, or, il respectera toujours la femme jusqu'à la fin de ses jours, et il, il essaiera que la femme ait beaucoup plus de liberté. Il essaiera de faire en sorte que les, les femmes puissent voter. Il va aussi se battre pour que les enfants euh, ne travaille plus parce qu'à l'époque de Victor Hugo, les enfants travaillaient à partir de 6 ans et travaillaient 72 heures par semaine. Et ça, Victor Hugo ne peut pas le supporter. Donc, il va se battre aussi pour que les enfants ne soient plus, euh, comment dire, maltraités, ne travaillent plus à l'âge de 6 ans. Et d'ailleurs, encore une petite anecdote par rapport aux misérables. Vous savez, dans Les Misérables, Cosette... Elle est, quand sa mère est malade, elle, les confie, elle, elle confie sa fille à des hôteliers qui s'appellent les Thénardier. Eh bien pourquoi ils s'appellent les Thénardier Parce que quand il était au Sénat à l'Assemblée Victor Hugo, il, était, il se battait donc pour que les enfants ne travaillent plus à l'âge de 6 ans et en face de lui, il avait un homme qui trouvait normal que les enfants continuent de travailler à l'âge de 6 ans. Et comment, comment s'appelait cet homme Monsieur Thénard. Donc vous voyez qu'on retrouve dans Les Misérables beaucoup, beaucoup, beaucoup de la vie de Victor Hugo. Et c'est passionnant, si vous avez l'occasion de le lire ou même de le regarder en film, parce que vous avez deux films fantastiques des Misérables, un qui a été tourné par Jean Gabin, avec Jean Gabin comme Jean Valjean, et l'autre qui a été tourné par Lino Ventura, ils sont tous ils sont aussi bien l'un que l'autre. Et vous verrez tous les passages, on va en reparler dans les deux autres, euh, deux autres euh, comment dire, vidéos sur la vie de Victor Hugo. On en repassera. À chaque fois, je vous donnerai des, petites, euh, des, des, des petits passages des misérables qu'on retrouve dans cette vie de Victor Hugo. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très très vite pour la suite de la vie de cet homme exceptionnel qu'est Victor Hugo. À bientôt!